Wesh l'équipe, c'est Sergi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure avec notre joueur Seymour Davis. Et aujourd'hui, nous avons un match spécial, ça sera contre Manchester City. Donc voilà, c'est un match de coupe de Emirates FA Cup. Allez, on va directement commencer le match. J'ai pas envie de traîner directement, on y va, on va directement dans le match. Allez, c'est parti. Allez, voici Haaland, il est présent. Ah, ça sera chaud. Kevin De Bruyne. Et je crois qu'ils ont acheté Rodrigo. Oh là là, c'est chaud. C'est le match test pour voir. Et du coup, comme vous savez, j'ai changé la difficulté en légende. Donc ça, c'est le match test pour voir comment ça se passe ici. Allez, c'est parti, première passe là. Oh là là, c'est chaud là. Alors voici Pep Guardiola. On prend un premier but. On prend le premier but, les guys. Oh, je crois qu'on va, on va se faire massacrer, les gars. Ah, voilà, donc ça fait 1-0. Voilà, le but de Bernardo Silva. Allez, c'est parti. Attention, on prend le deuxième but, 2-0. But de Haaland. Franchement, on va se faire humilier, les gars. On va se faire humilier. Voilà, je joue légende, c'est réaliste. Donc, voilà, l'équipe n'y est pas du tout. On fait déjà même des remplacements là. Allez, voici, ça c'est notre premier tir au bois. Franchement, on n'a pas vraiment beaucoup d'occasions. Là, c'est le premier tir. Et on prend un troisième but, 3-0. C'est juste de la... C'est une humiliation, comme on dit. Humiliation, les gars. Allez, c'est parti. Peut-être la première attaque. Un joli centre. Ah, j'ai mal centré là. Mais ça, c'est vraiment la première course qu'on a eue. Franchement, on n'a pas vraiment de ballon. City, franchement, c'est City. Mais c'est un peu exagéré, je trouve. Et le match est terminé. 3-0. Franchement, on a mieux joué à la deuxième mi-temps, mais à la première mi-temps, je ne sais plus quoi faire. Fallait peut-être que je m'entraîne un peu. Voilà, donc franchement, on a tout donné. On a donné ce qu'on a pu et ça n'a pas marché. Il n'y a pas de souci. Alors voilà, c'était le cinquième tour et voilà, on a perdu 3-0. Arsenal a perdu 3-1. Hull City, donc voilà, on est éliminé. C'est mérité, franchement. City était, voilà, ils ont dominé de la tête aux pieds. Allez, on va jouer le championnat. Alors, les entraînements, j'ai fait partout. Ah, j'ai mis quelques difficiles. J'ai mis facile, moyen et difficile. Donc, voilà, on va jouer le match. Alors là, je suis épuisé, les gars. Je suis franchement fatigué. Mais c'est ça, en Angleterre, quand on joue autant de matchs, à un moment, on se fatigue. Allez, c'est parti. Objectif du match, 8.5. Récupère les ballons, 3. Allez, c'est parti. On va jouer contre Sheffield.
Wednesday, cette fois-ci, on doit gagner ce match parce que franchement, je crois pas que ça sera compliqué. On prend un but. Franchement, je commence à croire que je joue Ultimate, les gars, parce que là, franchement, je sais pas, l'équipe n'est pas du tout en forme aujourd'hui. Voilà, on prend un but dès le début du match et franchement, c'est dommage, les gars. Allez, passe la balle ici. Allez, on va essayer là. Jolie passe ici. Et le but, passe décisive. Passe décisive, les guys. Un but partout. Regardez, franchement, je l'ai vu partir directement, je savais. Et là, il pouvait me repasser. J'aurais pu demander le ballon. Il faut que j'apprenne à parfois demander le ballon. Parce que j'ai vu, il y a des abonnés qui me demandent de marquer des buts. Et je marque pas. Ça, c'est vrai. Je suis un peu trop altruiste. Attention, faut pas qu'on prenne un but. Là, le défenseur m'a surpris. J'ai failli marquer un bon but là-bas. Et on dribble un peu, on dribble un peu. Et le but! Quel but, les guys! Un but juste incroyable, les gars. Voilà, j'ai dribblé tout le monde. Là, je suis entré calmement. Et là, il m'a redonné la balle. Et là, c'est l'erreur à ne pas faire. Donc, une passe décisive et un but. Voilà, ça va un peu remotiver nos troupes pour après la défaite face à City. Franchement, j'arrive. Toujours, je redescends vers le centre parce que voilà, ça prend un contre-pied presque tout le monde. Et je tire corner là. Et le but. Ça fait 3 buts à 1. On sécurise notre victoire. But de Byers. Non, c'est pas Byers. C'est Greenwood. C'est bizarre comment on joue bien en championship, mais dès qu'on rencontre les équipes de première ligue, ça devient du n'importe quoi, les gars. Mais bon, c'est pas si mal que ça. Alors là, continue franchement. Alors je vais comme ça arrêter d'enrouler un peu sur ce côté. Je vais essayer de tirer pour voir ce que ça donne immédiatement. Et le match est fini. 3 buts à 1, les gars. Franchement, on a super bien joué là. Allez, agent de joueur, qu'est-ce qu'il me dit? Il est temps d'apporter la touche finale aux offres potentielles. Allez, c'est parti. Entraînement encore, les gars. Franchement, on fait une très bonne saison, les gars. Je suis super heureux d'être ici à Leeds. Alors, je vais... Merci aux fans. Je suis joueur du mois. Yes.
ça montre que je veux m'évoluer. Allez, c'est parti, match contre West Bromwich. Voilà, on enchaîne les matchs ensemble et... Pour le moment, tout se passe super bien, les gars. Attention, prend un but. Franchement, là, c'était mon erreur. J'ai perdu le ballon bêtement. On a pu le garder. Et ils ont fait une contre-attaque. Et voilà, ils ont marqué un but. Attention, on y va. Et oui, ah, Brentford. J'ai fait tous ces dribbles pour rien. Allez, c'est parti les gars. Et voilà, ça fait l'égalisation. Alors j'attire tous les défenseurs vers moi et ça donne beaucoup d'espace aux attaquants en tout cas. Là j'ai fait mon job d'ailier. Et voilà! Franchement je fais un job monstre. Je fais un job monstre de prendre les bonnes décisions pour trouver des brèches. En tout cas, moi et Brentford, on fait une super équipe. On s'entend super bien. Et je récupère la balle. Ouh, très bon sauvetage du gardien là-bas. Ça va être mon but. Allez l'équipe, je vais jeter le deuxième poteau. Ah, j'ai tiré un peu trop loin là. Et le but! Quel joli corner les gars! Regardez ce joli corner là. Et le but, 4-1. Voilà, on remonte un peu la pente. Alors là, j'ai voulu enrouler alors que je pouvais tirer directement. Attention à notre corner là. Et le match est terminé, on gagne 4-1, c'est juste. Pour l'instant, nous dominons complètement la championship et je crois qu'on est, premier. On va voir ça ensemble. Et là, voilà, regardez, celui qui devait être devant nous, je ne me rappelle pas c'est quelle équipe. Mais comment? Ah, j'ai rien rempli en fait. Oh là là, j'ai pas vu les objectifs. Et voilà, l'entraîneur n'est pas content. Même si j'ai bien joué, 86. Et oui, on est devant Norwich. Allez, je peux demander un... montant plus haut. Je peux demander 72 000 € par semaine. Et je commence à devenir vraiment très important au club là. Allez, c'est parti pour le match. Face à Leicester
Leicester City. C'est parti. Donc voilà, il faut que je tire cadré. Un tir cadré, note de match. Ok, ça, je peux le remplir. Allez, c'est parti. Leicester City contre Leeds United. En tout cas, on est les premiers du championnat. C'est franchement... Alors, première passe là. Voilà, ça c'est un joli là, il faut les provoquer et entrer et essayer de marquer de loin si je commence à pouvoir... Oh, les corners sont toujours aussi forts. Voilà, essayer de marquer de loin. Si je commence à arriver à marquer de loin, ça sera terrible. Ouh, franchement, je commence à voir mon style de jeu. Mais le problème, c'est de tirer un peu plus loin. Allez, là, je vais tirer au premier poteau. Et le but. 1-0. On perd 1-0. En tout cas, après un gros match que je viens de faire là... Je pense que ça devient difficile. Attention, c'est très bien. On prend 1-0, franchement, c'est dommage. Et on prend un deuxième but. Voilà, Leicester qui nous fait rappeler qui est le patron. Ah là là, c'est chaud. Voilà le problème quand on joue contre des fortes équipes. Pourtant, on dominait bien, mais ça, c'est que je sais pas ce qui s'est passé. Allez, je demande une balle ici, là. Bram Bamford sort, franchement, ça ne donne pas devant et c'est, ils ont raison. Bon, il faut que je commence à chercher des passes parce que là, l'individualiste ne marche pas. Donc, être individuel, ça marche pas. Donc, il faut que je cherche. Passe décisive parce que là franchement 2-0, c'est un match très important. Oh là là, 3-0, on perd 3-0 les gars. Franchement, la défense, l'équipe, je sais pas l'équipe ce qui se passe quand ils jouent contre des grosses équipes comme celle-ci. C'est comme s'il s'arrête de jouer. Allez, je sors. Et c'est... On me sort. Franchement, le coach, je comprends pas. Franchement, c'est moi qui donne tout. Et c'est moi qui sors. C'est moi qui sors. C'est franchement bizarre. Voilà. On n'a pas bien joué. Allez, on va jouer un dernier match pour la vidéo, donc. Allez, c'est parti. On va jouer contre Birmingham, je crois. Je reconnais le logo. Allez, oui, c'est Birmingham City, franchement. J'ai joué franchement beaucoup de jeux de foot, tellement je reconnais beaucoup le logo. Et beaucoup de logos de chaque équipe. Allez, c'est parti. Et quel but! Quel but! Incroyable, les gars. J'espère que vous avez vu ça. on va revoir ça ensemble. On va revoir ça ensemble.
Regardez, regardez. Ouh là là. Juste incroyable. J'étais surpris. Pas que ça a surpris le gardien, c'est pour ça que c'est entré. Le gardien ne s'attendait pas à ce que je tire dans cette position. Et ça fait 1-0. Voilà, quand je joue contre des petites équipes, ça arrive à mettre des buts, mais quand ça devient Manchester City, ça parle chinois, donc vous avez compris le schéma. J'ai voulu en faire trop. J'ai voulu la jouer à la Cristiano. On prend un but bête. J'ai demandé le ballon. Mais il a mal passé. Et voilà, on perd le ballon et ils égalisent. Attention, on est à l'extérieur donc. Petit dribble là. Bon, j'en fais trop. Je me prends pour Messi. Oh là là, on prend un deuxième but. Regardez-moi ce but là, il a... Sur la défense, c'est une passoire la défense. Alors on va essayer d'égaliser les gars, franchement. Vu qu'on a très bien commencé, j'ai cru que ça allait être un match facile. Allez, la jolie passe là. Allez, je sors et je crois que voilà, la vidéo va se terminer par là. On va peut-être regarder la fin du match pour voir si on gagne. Et on va passer ça. Franchement, j'ai pas bien joué. Pourtant, j'ai marqué un but et c'est le seul but. Le coach n'est pas content de mon match, même si j'ai marqué. Voilà, et on marque un but. On égalise. Très très beau coup franc là. Peut-être c'est moi qui les empêchais de très bien jouer. Attention. Et on perd le match les gars. On perd le match. 3-2. Dernière minute. Et voilà, je crois que l'équipe, elle était déterminée de nous gagner. Franchement, le jeu est réaliste. Je crois que cette difficulté est la meilleure pour jouer. Et le match est terminé, les gars. On perd 3-1. Franchement, le coach a fait l'erreur de me retirer de ce match parce qu'il n'y avait que moi qui donnais des solutions. Bon. C'est le coach, on peut rien faire. Mais franchement, je suis content pour cela. Franchement, ça montre qu'il y a un peu de réalisme. On perd, on gagne. Mais on est tout le temps les premiers du championnat. Et tant qu'on est premier du championnat, ça va. Et je crois qu'on va terminer la vidéo par là. On va ajouter juste quelques points focus. Et on va terminer la vidéo ensemble. Donc voilà. Franchement, mes notes, elles baissent ces derniers... Dernier jour, regardez la vitesse, j'avais augmenté à fond. Moi je vais augmenter un peu les dribbles parce que on en a besoin. Et là, c'est contrôle de ballon, je vais augmenter un peu aussi. Placement offensif, je vais augmenter. Voilà, vu qu'il y a 2 là-bas, là c'est 3. Ça c'est geste technique. Voilà, ça peut augmenter, geste technique, équilibre. On va augmenter geste technique. Et puis bon, voilà, on va augmenter aussi dribble ici. Qui va augmenter les dribbles et tout. Et là, ça, c'est l'équilibre. On peut peut-être remplir équilibre dribble. Allez, je vais augmenter dribble. J'ai envie d'être meilleur en dribble pour pouvoir prendre les joueurs
dribbler. Et vous avez vu, j'ai déjà un dribble de 91. Placement offensif 71. Franchement, ça va les dribbles. Et là, on va passer à la note générale de 79. Donc, on est bientôt à 80. Et ça, c'est bien. Alors, merci les gars d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, les gars, si vous êtes encore abonné. Et n'oubliez pas de liker. Laissez tout le temps un commentaire. Ça me fait plaisir de voir ce que vous pensez. Et vous me donnez des propositions. Ça m'aide beaucoup. Merci et à bientôt les guys. Là, on jouera contre Hull City. Je crois pas que je montrerai ce match. D'ailleurs, on regarde le calendrier d'abord. Ouais, on a encore plein de matchs. Là, je crois que tous ces matchs-là, je jouerai un peu seul et peut-être on se retrouvera ici, c'est nous sommes en mai. Ouais, on se retrouvera peut-être en mai parce que voilà, le championnat est presque fini. Et donc voilà. À plus.